t'es arrivé à Milan? Je me suis réveillé, là il est à peu près 6h, 7h. Sur mon petit nouveau jouet, mon G80, j'ai mis le micro. Je suis tout content, tout le monde dort. Je suis en plein milieu de la route. Déjà qu'il n'y a personne dans la ville un samedi soir. Alors un dimanche matin, mon frère. Il y a une ambiance de Taïwan, tu vois. On est sur la place de la ville. Là t'as la petite cathédrale. Là, j'ai pas trop compris c'était quoi, on dirait un mall. Il y a personne. Là, du coup, bah, je marche et tout, mais j'ai l'impression d'avoir déjà tapé la ville en 2 jours. Parce qu'en fait, le problème, c'est que comme il y a le Covid. Alors, me fait peur le salopard. Elle a fait une phrase et elle a pas dit prego dans la phrase. J'ai l'impression que les Italiens, s'ils disent pas prego dans une phrase, ils vont mourir. Attends, mais c'est joli quand même, complètement. Attends, je te fais un petit tour. Il y a un bruit à l'allumage de cet appareil. Là, je suis sur le caméscope. Il y a un petit bruit qui, à chaque fois, il y a une petite émotion quand même. On a voyagé avec ce petit bruit. Hein. On a quand même beaucoup voyagé avec ce petit bruit. Il y a la cathédrale juste derrière, là. Ouais, on va manger chez Luini. Normalement, si tu connais Milan, tu connais Luini. Si tu connais pas Luini, c'est d'ailleurs que tu connais pas Milan. C'est ricotta épinard. Tu la frappe. Il y a une petite qui vient de passer. Elle a plus envie d'être dans la vidéo. Ça fait 5 minutes qu'elle me regarde me filmer. J'ai pas envie de redevenir, c'est un peu bizarre. Je me filme là dans un endroit pourri, dans une ruelle, alors que derrière la cathédrale. Franchement, t'inquiète. Littéralement derrière, hein. Voilà. T'as vu du coup la meuf qui veut être dans la vidéo. On va tenter d'acheter un billet en italien. Oh, qu'on triche. What? Bizarre ces couleurs. Sauf que c'est la ligne jaune du coup. Et tout est jaune. Ah, ben voilà. Même endroit que tel. On est dans la cathédrale. On est en haut. Alors ma passion des toits, évidemment, est très présente. C'est le genre de truc que, illégalement, monter sur le toit des églises et tout, je ne ferai jamais. C'est bon. On est complètement sur le toit. Les deux vieux devant là, quand ils étaient en haut, ils ont pas arrêté de se pécho, genre il n'y a pas une seule seconde où ils ont regardé la vue. Regardez comme ils sont pas cons. Ils ont mis un trampoline géant en haut. T'es classé. Non mais ils ont du beau matos quand même. Bon, finalement on quitte Milan, on va à Bologna. Bon, le train là, le Terni 599, il n'est pas encore affiché mon train. Tu vois la meuf qui court là, la scène dramatique. C'est un baissé, elle a marché tout le long du quai sur ce côté là. Elle a marché tout le long pour aller jusqu'à son wagon, sauf que c'est de l'autre côté que ça ouvre les portes. Donc pourquoi t'as fait? Quelle angoisse de vie, putain. Voilà. Je me rappelle il y a 20 secondes. Je suis pris la gueule d'une meuf parce qu'elle s'était trompée de truc. J'étais aussi là. Je pensais que c'était quai 22, c'était quai 21. Si j'avais pas regardé sa connerie, je me serais pas. Je me suis dit, c'est bizarre quand même. Le train arrive dans 4 minutes et il y a personne sur le quai avec moi. Et je me suis dit, mais attends, mais t'es con, ça se trouve. Et ouais.